abana mwiriwe mwiriwe. Uyu munsi tujye gukomeza gatabo kacu The Best Ugali. Mwaragakunze? Yego! Yego. Tujye kugakomeza turebe ibyabaye, sibyo? Yego! Genda wisi aho twatugeze. Twageraga ahantu papa yagiye kugira guteka ugali. Reka tusome. Papa ties mama lasso around his waist. He cuts some onions. He cooks some green vegetables. Now it is time to cook the ugali. Okay, hano twumvise yuko papa a pris donc les casseroles de maman, ok? Les brasseroles que maman prépare et la met tout juste au milieu de ses pieds. Quand vous allez préparer les ugali chez vous, vous voyez vos mères, ils prennent le brasero et les met genre, ils prennent au milieu avec ses pieds comme ça. Pas moi. Moi, j'ai fait. Ouais, moi aussi, ma mère fait ça. Et ma tantine aussi. Ma mère aussi. Tu blagues. Tu blagues, je te lavais. Ok, il a coupé quelques oignons. Vous savez que quand moi je coupe les oignons, je pleure. Moi aussi. Non, une fois j'avais coupé les oignons et puis j'ai commencé à pleurer. Genre. Ouais. J'ai pleuré. Moi aussi, j'ai pleuré. Maman aussi, j'ai regardé les oignons et j'ai pleuré. Okay. Mes yeux, genre, brûlaient. Hein? Ils brûlaient trop. Et vous, les amis, quand vous coupez les oignons, vous pleurez ou bien vous ne pleurez pas? Dites-nous dans les commentaires. Je pleure. Alors, le père de Biko a coupé les oignons et il a préparé quelques légumes verts. Et maintenant, c'était le temps de préparer les ugali. Arrêtez. Papa is cooking ugali in a big pot. He is singing a song and cooking. Ugali. Hey, ugali. Oh! Ils ont dit que papa est en train de préparer le ugali dans un gros casserole. Il est en train de chanter, il chante en train de préparer et sa chanson était Ugali. Eh! Ugali! Oh! Ugali! Eh! Ugali! Oh! Ça, c'était la chanson qu'il chantait. Ok, un autre confusion, comme papa, il a fâché. Yafashe yarimo gukuka ugali mu gisorori kinini. Nuko narimo guteka akaba arimo kuririmba ugali. Eh, ugali. Oh. Okay. Papa has cooked a big ugali. It smells very good. Biko has put the plates on the table. The ugali is on the table. Papa a préparé un gros ugali. Est-ce que vous, quand vos pères préparent, ils préparent trop beaucoup de choses ou peu? Trop beaucoup de sauce, moi aussi. Est-ce que quelqu'un a déjà vu son père en train de préparer? Oui. Ouais, moi aussi. Moi. Attends quoi? Moi, mon père aime préparer les bananes vertes. Moi, quand on n'avait pas de tantine, mon papa préparait tous les temps l'été. Ouais. Et je crois qu'il préparait beaucoup de nourriture quand il perdait beaucoup. Tu vas voir. Ah, on continue. So, et ça sentait très bon. Moi, quand mon père prépare, ça sent toujours bon. Et vous, ça sent bon? Ça sent bon. Biko a mis les assiettes sur la table. The ugali is on the table. Et la pâte était sur la table. Papa wa Biko yatetse ubugali bwinshi. Kandi byamuraga neza. Biko yashyize amasahani ku meza n'ubugali bwari buri ku meza. Mama is home from work. She is happy to see Papa, Biko, and Tela. She is also happy to see the big ugali on the table. Mama is hungry too. Maman est venue à la maison. Il a faim. C'est pas vraiment le but qu'on a dit, mais maman est rentrée à la maison. Et elle était, elle avait faim, on dirait bien. Et elle était heureuse de voir papa,
Biko et Tela. Tela, c'est qui? Elle est Tela, c'est les petits frères de Biko. Ouais. Ouais, elle. Attends, je te la montre. Tela, là. Elle, qui jouait à côté quand papa lisait les livres. Tu te rappelles la première partie du livre? Tu te rappelles la première partie du livre? Oui. Ça, c'est les pères de Biko avec Tela, ou quand on lui disait que j'ai faim, dans la première partie du livre. Elle est très heureuse de voir aussi un gros ougali sur la table. Elle avait... faim. Très... faim. Très faim. Son maman, Yajemurugo, quand il y a chimie qu'on a papa, Biko Natila. Il y a une chimie qu'on a ougali, on a une ougali qui est kumeza. Yara shonje nawe. Mama cuts the big ugali with a knife. She cuts it into 8 pieces. 2 pieces for papa, 2 pieces for mama, 2 pieces for Biko, and 2 pieces for Tela. Okay, maman a coupé le gros ugali avec un couteau. Elle a coupé 8 pieces. Donc, 2 pièces pour ma papa, 2 autres pour maman, 2 autres pour Biko et le 2 derniers pour Tela. Ok, hano maman yafashe ubugari atangira kubukata n'icyuma. Yabukase ibice 8 bibiri bya papa, bibiri bya mama, bibiri bya Biko, bibiri bya Tela. Maman, papa et Biko ate the big ugali. It was very tasty. Papa, you make the best ugali, Biko says. Maman, papa, Biko et Tela ont mangé les gros ugali et c'était trop bon. Papa, tu fais les best ugali, donc tu fais très bon ugali. Biko a dit, yeah, on a réussi, on vient de finir les livres des best ugali. Tapez ici. Mais ça fait mal. Mais tu es allé fort. Oh mon Dieu, on dirait que tu as aimé les livres. T'as aimé les livres? Attends, tu veux? Non, pas. Oh mon Dieu, ça suffit. Non. Ok, nous avons réussi. Oh! Ok, vous voulez? Oh, je vais vous poser des questions, ok? Pourquoi l'estomac de Biko parlait? Parce qu'elle avait faim. Tape ici. Oh, mais ça n'a pas fait mal. Attends. Pourquoi maman était en retard? Parce qu'il avait faim. Non. Pourquoi elle était en retard de rentrer à la maison? Parce que... Il a fini son travail. Ok, parce qu'elle travaille beaucoup. Non. Tu as essayé alors, tu as cette chance. Ça fait pas mal les chances. Non, ça fait pas mal. C'est la plage. Les amis, méga pouce bleu si vous voulez que Gaël la reste. Qu'est-ce que papa a décidé de faire? A décidé de faire le ugali. Ok, vous allez dire la même réponse alors vous tous. Ok, ça va. Ça va, vous m'avez frappé assez, vous croyez pas? Qui a mis les assiettes sur la table? Biko! Biko! Moi aussi j'ai dit. Ok. Non, les tables, la table, la table, la table. Ok, une fois. Je sais. Et vous avez aimé cette histoire? Oui! Alors les amis, n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification et de aussi partager mes vidéos pour voir de nouvelles vidéos quand nous sommes en train de lire les livres. Au revoir! À la fois prochaine! Au revoir!